ala ko mo ko yi abu amina o ma mo ko yi mangay ala hada tanga ala hada tanga o tamba ni ya fe ne mo ko ta fe do alhamdulillah ila alamina afa fe bi ni la fa ni kinai atanaya o ma president ala bi bi wala de tike o mbé o mba ka fa de tike o mbé akila be na ti ka bo bi ni ya ada kaji apa nama kamu bawa ini bawa ini ada mahu ini why nak kamu bawa ini amina amina kamu bawa ini ada kapal dan ada bintiknya ada kali ini hari mami dan dunia ada mahu mati nama ini dah selat dah ini dah selat lagi ini dah cuma kau ini nama tu kena kerja babi ini nak gaya cuma kau ini nama tu awak tak dia tu dan ini kena farma. A faru wonta nambe a faru wonta nambe a wopiri wira mema ne keren 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 a noma na kanna badi ama goro ko yipki badi ku temu na gamma hala ti afa mani ara badi parce que kabe afa na volonté nanna a be be pole biné mu fambara mu kere diara mu bara fala pole biné a korogo Pole binay koroko madame la maire anu keli sesera bada de gimane ministère anu de gimane ministère ministre nana na wali ke na nana na kay no ma ko kafude e ma kafu mane logo yo logo ba kali mois de juillet nara ki be nettoyer khine kono mi rinu go yire de gimporra a koroko mfanan kere sa mane C'est un peu comme ça que Fanny Katabinya Mama, Madame la ministre Rabo Mali, a rapporté puis Mali, a rapporté puis Mali, a rapporté puis Mali. On a pour le piné, a pour le mabole piné n'a ma, y'a qu'on s'en s'en bébé n'a bé, y'a qu'on s'en s'en n'a bé, on a katana katan, mangé n'a qu'à wombe, président, colonel, awon ga kata awon galdan awon ga sino ga yabeni won ga won boro su won ga mini kere won ga so kere an namba waye gito ho na to wa madam la ministre khlina na ka wara walisa nyere na muira kono halati program fama ne to ngode lan hunde adu la ga program da gamma awo kuira me amu findi manyaka sira chef de cabinet nabe secrétaire général nabe mufan nabe wo programme tongo ala ko tan na kanu nabe awore soa na kanu fa i ga yo ke me maga kuti to we ga ko to fini e fala anno ma na banna ana tagatira anno ma ga sai tagatira araba ma hala jannam na do ko ko no ma na fa na de wo be on wal on wal la pole do Yeah.
Alors, le constat, il est quand même un peu alarmant. L'objectif, c'était de toucher du doigt les réalités du terrain. Et je peux vous dire que le constat, il est alarmant. Parce qu'on a commencé par oublier où l'état d'insalubrité atteint vraiment, comme on dit, le summum. Et enfin, tous les ports de garde proches qu'on a visités, c'est à peu près la même chose. Aussi, il y a un problème sur la gestion des comités de débarquement des débarcadères. Puis, il y a un manque d'infrastructure qui est là, la vétusté des infrastructures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait à revoir. D'accord. Quelles sont les dispositions à prendre? À chaud comme ça, on ne peut pas prendre de dispositions rapides, mais ce qu'on peut faire déjà, c'est redynamiser les CBD et puis revoir les infrastructures. Essayer d'analyser, prendre toute leur, tout ce qu'ils ont posé comme problème. Il y a des choses quand même à améliorer. Il y a aussi des choses qui sont faites. Donc, tout ce qu'ils ont évoqué comme problème, essayer de trouver des solutions et voir comment les aider la communauté. Justement, en parlant de l'amélioration de ces CDD, sur le terrain, la plupart des ports visités, les responsables de ces CDD sont décriés. Oui, en fait, les responsables ne sont pas choisis par le département. Mais j'avoue que le département doit envoyer des gens sur le terrain pour superviser les CDD. Les CDD sont choisis, les membres des CDD sont choisis par les communautés elles-mêmes. Mais j'avoue qu'il y a un manque de superviseur du département. Mais ça, c'est quelque chose qui va être corrigé très rapidement. Ça fait partie en fait, des solutions parce qu'on disait tantôt qu'il fallait redynamiser les CDD. Ça commencera par ça. Je suis Keita Kabassan, directeur général de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche et de l'aquaculture au ministère des pêches et de l'économie marine. Ok, à l'occasion de cette première visite de la nouvelle ministre, quelles sont vos préoccupations et dont vous suggérez qu'elle arrive à changer? Bon, vous savez, nous avons fait plusieurs rencontres avec Mme la ministre dans le cadre des prises de contact et de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire connaître un peu les dossiers de chaque service qui relève de son autorité. Donc, ça c'est une visite opérationnelle de concrétisation de toutes les informations, disons théoriques, qu'elle a pu recevoir au niveau du conseil de cabinet. Elle est venue voir de visu ce qui se passe réellement au niveau de chaque service, jusqu'au démembrement, jusqu'au niveau des débarcadères. Donc, c'est une visite d'enseignement et de renseignement, parce qu'elle va avoir suffisamment d'informations, ça va orienter sa lanterne. Vous savez, Dieu ne donne pas la tête à quelqu'un si c'est pas, il ne lui donne pas la solution à trouver les problèmes qui peuvent se poser à sa tête. Donc, c'est pour ça qu'elle est là, avec tous les services, son cabinet, les services qui l'accompagnent, pour cerner les problèmes et puis après remonter les informations et partager ça avec son cabinet et tout son staff pour trouver des solutions rapides, hein, les solutions rapides qui peuvent être trouvées et pour que vraiment le secteur de la pêche puisse... Vous pouvez nous citer quelques difficultés qui vous assaillent dans le fonctionnement de ce département? Non, je ne peux parler que de mon secteur, hein, qui est le contrôle sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes très avancé dans la reprise de l'exportation vers le marché de l'Union européenne. Vous savez, la Guinée s'est suspendue depuis 14 ans, 3 mois. Et depuis le mois de mai dernier, nous avons reçu une notification technique nous informant de la clôture de l'audit. Donc c'est un vaste chantier qui est ouvert parce qu'il ne suffit pas de revenir sur le marché, il suffit de maintenir la pression et tout ce qui accompagne, c'est-à-dire avoir des embarcations dans les normes, avoir des structures de production dans les normes, avoir le matériel de transport, c'est-à-dire les véhicules de transport dans les normes, et avoir aussi, surtout le personnel prêt à faire le travail. Cela, d'abord, le premier, comment on appelle ça, la base première de ça, c'est le personnel. Pour le moment, nous avons ça, nous avons
les équipements qu'il faut. Maintenant, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut suivre ces gens-là. C'est pas facile, vous savez, l'habitude est une seconde nature. Les gens n'ont pas l'habitude de travailler dans les normes requises. Et nos fournisseurs en face sont très exigeants parce que nous, nous intervenons dans le cadre de la santé publique. Vous savez, le poisson est destiné à la consommation. Donc, il doit être prémunis de tout ce qu'il y a comme sécurité pour que le consommateur puisse déguster sans avoir de problème. Donc, disons que nous, notre machine est en masse, n'a pas eu encore la vitesse de croisière, mais nous commençons à prendre de l'élan. Nous pensons qu'avec son appui, on pourrait revenir très rapidement sur le marché et pouvoir suivre la compétition. Avec quel sentiment vous avez reçu cet après-midi, Madame la ministre de la Pêche? C'est une note de satisfaction pour nous et pour tous les Caprocains de recevoir la ministre de la Pêche qui est venue s'inquiéter des réalités sur le terrain et du port de Capo qui est en chantier depuis le 17 mars 2021. Et par rapport à la réalisation de l'infrastructure de ce port, qu'est-ce qu'on peut retirer? Est-ce que les travaux évoluent à votre satisfaction? Oui, notre entendement, nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux, parce qu'il n'y a pas d'interruption. Je pense qu'on des fois, même le dimanche, les Japonais là sont à peu de travailler pour faire de Caponon vraiment le port le plus émergent de toute la Guinée et de la Guinée. Et vraiment, les travaux sont très bien, ce qui est notre satisfaction. Vraiment, nous sommes satisfaits de ce projet et nous sommes satisfaits de la manière de gouvernement des travaux. Est-ce que l'autorité qui est de l'autre côté peut compter sur le chef de quartier de Caporo pour les aider à superviser l'exécution? Là, je m'engage en âme et conscience que nous prenons toutes les dispositions pour que les travaux soient suivis et que les travaux soient vraiment à la, des normes, à la norme internationale et que vraiment tout ira bien. Ils ont déjà l'appui du quartier, ils ont l'appui de la population, je crois que tout va bien. Et la bonne cohabitation et la bonne collaboration entre travailleurs et autorités, ça va. C'est ce qui nous intéresse. Vraiment, nous comptons sur eux pour que tout aille bien. Nous remercions les nouvelles autorités pour avoir pensé déjà à venir faire l'état des lieux sur le terrain. Nous remercions très bien la ministre, nous souhaitons bon vent et que bonne chance à toute la Guinée. Je vous remercie. Merci.